Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire avec Nakai en KO x10. Le plaisir, le plaisir. Alors, à l'épisode précédent, on avait attaqué lui, qui était en guerre contre l'Empire. Sauf que, en plus, lui, il m'a proposé plusieurs fois, rejoins la guerre contre eux. Moi, je disais, non, t'inquiète, c'est moi qui vais gérer. Sauf qu'au final, en faisant ça, j'ai déclaré la guerre à eux aussi, qui étaient en alliance défensive avec eux. Alors, pour l'instant, ça me dérange pas, mais à tout moment, ça peut partir un peu n'importe comment, vous voyez. Donc, voilà. Bon, ça se capture assez facilement, ça. Non. Voilà, on va dedans, s'il te plaît. Ce qui pourrait m'inquiéter actuellement, alors, c'est que quand je regarde la puissance de la Norskar, il a qu'une armée ici, donc ça devrait être bon. Par contre, lui, il est possible qu'il ait deux armées. Il est possible. Il faudrait pas que je me fasse bloquer. On a presque débloqué la meute. Donc notre temple, bah maintenant il est niveau 5. On va aller chercher bien sûr la réduction comme d'habitude. On va aller chercher réputé et craint. Ça va augmenter mon déplacement. On va aller chercher la comète de Cassandre du coup. Et l'attaquer les unités avec lui pour l'instant. On n'a toujours pas de Chef's King. Dans les autres trails avant on le faisait. Là actuellement on n'en a pas. Idéalement. Be at peace. For that is all I ever want. Il aime bien la guerre que j'ai contre Midenland. Il encourage même cette guerre. No, sir. Peut-être qu'au prochain tour, on va pouvoir négocier. Je pense que je peux aller taxer d'ailleurs mon vassal. Donc là, au final, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 temples. J'ai 270. Au prochain tour, je vais largement avoir assez pour faire mon petit rituel d'usure. Ce qui fait que n'importe quelle armée qui décidera d'assiéger une de mes villes prendra cher. Bah d'ailleurs, on va le faire au prochain tour parce que lui, il faut absolument l'affaiblir. Salut Koubs. Bah ça va et toi? Et bah du coup, j'ai recommencé parce que c'était pas possible de gagner là. Vu l'aléa, il y avait j'avais plus que 5 temples au tour 107. J'avais Nagaron sur la gueule. Donc non, c'était pas possible. Oh, j'ai oublié de vous montrer, merde. Un truc. Ah, je vous le montrerai tout à l'heure, du coup, côté Twitch. Il m'a tué, le gars. Il a des mèmes sur Total War. J'ai oublié de vous le montrer. Donc on est nombreux. Le chaos K-pop au tour 107. Qui est beaucoup trop tôt. J'ai rarement le chaos aussi tôt. Et là, il a décidé au chaos x10, tour 107, d'être là. Je me suis dit, bah là, ça va être problématique quand même. Donc voilà. Vous voyez, pour l'instant, il a l'air de me poursuivre. Sauf que c'est une grosse erreur qu'il fait. Parce que moi, je veux bien qu'ils me suivent, hein, ça me dérange pas. Hein. L'idée, c'est que on va appliquer le rituel. Pas assez de fond. Comment ça, j'ai... Pourtant, j'étais sûr d'avoir assez, c'est bizarre. Eh ben, ma foi. Il est probable qu'Albion, on la perde totalement, hein. C'est comme ça. Donc là, il me faut absolument mes héros en éclaireur. L'idéal, c'est que j'aille par là.
Voilà. Que lui, je l'amène par là. Et que je regarde, du coup, qui se présente à moi. On peut se cacher là. 80% de chance, c'est pas mal. Parce que j'ai peur de ce que je vois pas ici. Hein. On va continuer d'essayer l'alliance avec eux. Greetings from Sigma. Là, je crois qu'on signe son arrêt de mort si on fait ça. Mais en même temps, ça consolide l'Empire. Donc, c'est rentable. As you say. Indeed. Je vais essayer de gratter un ou deux temples. Mais l'idée, c'est peut-être, voilà, genre, si je peux capturer une grande ville, je sais pas. On verra bien. Donc, au prochain tour, on peut activer le rituel. Mais bon. Donc ouais, là, l'aléa est cool quand même pour l'instant. Hein. Là, il est plaisant. J'ai une alliance défensive avec l'Empire. J'ai une alliance militaire avec Louanker. Je pourrais presque... En fait, selon ce qui se passe, je pourrais m'enfoncer aussi soit... Allez, là, il attaque. Ça, c'est nice. Allez, Marienburg est détruit. Là, il va recapturer sa ville. Qui là, il le faire. J'ai peur que là-haut, ouais, Albion soit complètement foutu par contre. Hein. Pour l'instant, ça tient, mais... I refuse. Hors de question de passer par là. Mieux passer par là. Pour l'instant, il me voit pas, donc je m'en fous. Techniquement, il va rejoindre une grande ville. Je sais pas laquelle, mais... The woods of Athelloran welcome you. Deliver your message. Traité, ancienne action, ouais, bah, moi aussi j'en ai fait plein. Ouais, j'active le rituel, je pense. Allez. Si je peux commencer à entamer ses troupes, on le fait. Et tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Voilà. Et merci du coup Alex, merci à toi pour ton follow et bienvenue. Oh, est-ce que cette aléa pour l'instant est plus plaisante que celle que j'avais il y a maintenant depuis hier en fait. Simplement. Est-ce qu'elle est meilleure? Ah bah là tu vas te manger de l'usure si tu rentres. Sache-le. Sache-le bien. Ok, je sais pas où est son armée. Je sais pas pourquoi des fois ça suit pas l'armée en fait. Je l'avais en visu, j'aurais aimé au moins voir la direction qu'elle a pris quoi. Quoi? Bah. Ah
Alors, il a réussi à aller là. Donc, on se retrouve en guerre contre lui alors que... This is Athelloran, home of the Oak of Ages and the Azray. Bah, ma foi. Ouais, donc là, il va peut-être y avoir friction entre les deux. Donc moi, l'idéal, c'est que je sois prêt à intervenir. Not likely. Ok. Vu ce qu'on me dit là... Bon, si je me cache là... Comment ça, avec toute cette forêt, on est qu'à... Voilà, on se prépare à bondir sur cette ville. Hein. On se prépare. Je gagne 504, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, non, cette armée, on la touchera pas. Hein. Ouais, généralement elle sort jamais, hein, donc faudra attendre qu'elle déclare la paix et puis c'est tout. Hein. Faut juste faire gaffe à pas être dans sa portée d'attaque parce qu'elle peut se dire d'un coup, oh, je peux le détruire. Hop là, elle va le détruire, elle va rentrer chez lui et chez elle et moi je vais être là en mode, bah j'ai perdu la campagne. Alors est-ce qu'il a bougé? Oui, pour l'instant je suis caché. Gasconi rencontré, ça me va. Est-ce que t'as bougé? Non, absolument pas. Bordel, bordel, bordel. C'est là que je regrette de pas avoir mon petit skin quand même. Le problème c'est que je vais détester faire le tour à chaque fois. Oula. Oula, 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 oula. Calme-toi, toi. You're a pretender. Combien de temps encore? 3 tours d'usure. Okay, on pourrait se décider à aller jusqu'à cette ville. Je n'ai pas très bien défendu. Le seul problème, c'est qu'il faut passer par là. Et passer par là, c'est dangereux. Parce que maintenant, on est en guerre contre ça. Je prie pour qu'elle se remette les idées en place et qu'elle ne fasse pas de bêtises, mais... Ah, il me faut absolument la vision ici. Hein. Tant pis si je perds mon sorcier. Il me faut la vision, là. Oui, déjà, là, c'est flippant, là. Là, ne pas voir l'armée, c'est flippant. Donc on va se cacher là. On va la jouer safe. Hein. On n'a pas besoin de se presser en vrai. Hein. C'est l'autre, il va sûrement se frotter à lui. Ça va se bastonner là-dedans. Et moi, je pourrais peut-être saisir l'occasion derrière. Faut pas que je me presse. Hein. Faut que je la joue défensive là. Hein. Là, je sais pas où est l'armée Elfe Sylvain, là. Mais il faut qu'elle dégage. Hein. Je vais regarder ce qui est repris ici. Ok, 3 tours d'usure. C'est pas mal, 3 tours. Le problème là, c'est que maintenant on a des super maraudeurs au cul. Son armée là-bas.
Ok, son armée est là-bas. Lui, t'as toujours ton armée ici? Ouais. Ok. Ce que je peux faire, c'est me mettre ici, en embuscade, toujours. Parce que normalement, ici, personne ne peut m'attaquer et je vais pouvoir avoir ça au prochain tour. Normalement, tranquillement. Deliver your missive and no. Approach and make your. Ouais. Vraiment, ça va être en guerre contre beaucoup de monde quand même, hein. What? Approach and make. C'est un chouïa embêtant. On a tous les humains là qui nous veulent la guerre, sauf l'Empire. L'Empire est en guerre déjà contre un, donc c'est bien. S'il va pas sur sa ville, je peux la capturer. Mais je sais absolument pas si le vert a deux armées ou pas. Après, je peux capturer l'arbre. Si l'autre, elle reste loin, je peux peut-être aller capturer l'arbre. Merci vous. Merci à toi pour ton follow. Déjà vous. Pourquoi? Faut que j'arrête quand il y a deux. Enfin, j'ai un souci souvent. C'est quand j'ai deux neurones qui s'entrechoquent, vous voyez, il y a une phrase qui sort plus vite que ma pensée. Et donc du coup. Ah oh ouais, non mais son arbre il est... Oh I will listen. Be at peace, for that is all I ever want. Bah écoute, je peux avoir sa ville là, normalement. Est-ce qu'en vrai, je recrute pas un seigneur maintenant et je le cache? Un seigneur de sécu. Ah ouais, 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 il est pas mal lui. Un seigneur de sécu. Pour l'instant, reste là. Pendant que moi, j'attaque ça. La ville est pas très bien défendue. Tout le monde peut participer, on est bien. Ah ben moi je l'aime beaucoup moi. Surtout quand c'est mon allié. Je l'aime bien. De toute façon, j'ai quasiment plus de portée, donc... Je ramène tout le monde, quoi qu'il arrive. Eh ben, j'ai bien fait d'activer ça, hein, parce que j'ai beaucoup de temples attaqués, là. Hein. J'en ai beaucoup, hein. Là ça va être tranquille hein. L'idée foncer point. Donc là des gens se mangent de l'usure de partout. J'espère que ça va être efficace. Tic-tac-toe.
Ah bon? Il se démarre bien évidemment des autres. Il a attaque enflammée? Ah oui, non mais d'accord. Oh ouais. Oh! Ils lui ont mis cher, hein? On va quand même faire gaffe, maintenant qu'il est indémoralisable, c'est bien et pas bien des fois. Hein. Alors, j'attends, ils vont venir à un moment parce que de toute façon les halbardiers, ils ont beau être anti-large, ils peuvent pas tenir la masse de Croxigore, donc pas de soucis. C'est bon, tu veux venir? Alors fais gaffe parce que si tu me donnes un bon angle, à tout moment tu peux te plonger une petite piscine à vagues, tu vas pas la voir venir. Hein. En attendant, je peux faire un petite frappe ici. Voir une plus grosse frappe. Il y en a, ils sont désintégrés, je crois. Bon, Nakai, tu le tues au moins, ce mec-là, dis-moi. Oh. Il a pas l'air de le tuer, donc on va préférer être dans la masse alors. Et là, je pense qu'on peut mettre en x3. Hein. Ya tout, 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 tout. Voilà. Les petits cerises bénies font le taf. On aimerait en avoir plus hein, dans notre armée. Enfin, quoi que passer à un moment en gardien des temples, forcément aussi. Gardien des temples bénis. Ça serait ouf. On n'est pas très loin du... Ok. Alors, idéalement, faut être là. En temple. Ça permet d'aller chercher ça. Et je pense qu'au prochain tour, on peut aller taxer. On peut aller taxer. On devrait être bien.
Alors, avec lui... L'entraînement, quoi qu'il arrive, oui, parce que ça fait tenir une meilleure ligne. Et après, débloquer petit à petit quand il aura son Carnosaur. Donc lui, subit. Lui, subit. Be at peace, for that is all I ever want. Allez, on devient très amical. Hein. Ils sont toujours pas mis en alliance, les deux ? Non, pas pour l'instant. Lord of Bretonnia. Neutre. Ça serait bien qu'on soit copains. Ça, le problème, c'est qu'ils ont pris pas en vont aussi en plus. Who calls? Ah, il n'a plus d'armée. Oh! Ça se trouve, au prochain tour, on pourra capturer celle-ci. Enfin, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, là. On verra. Ah, j'ai vu 666, ouais. Non. Hein. Faut pas le mentionner maintenant, hein. Et mangez-vous tous de l'usure! En espérant que ça soit efficace. Peut-être qu'on pourrait retourner sur Albion à un moment. Ça, on s'en doutait. Tu devrais faire gaffe, hein, parce que nous, ton petit truc, là, à un moment, on va le choper. Tu vas pas voir venir le la chose, hein, je te le dis. Hein. Eh ben, écoutez, allons-y. Hein. C'est une ville gratuite, ça, techniquement. Hein. Ah, c'est défendu par 14 unités, ça. Hein. Mais bon. On est déjà nous-mêmes 14 aussi et plus violent. Donc ça devrait être bon. Not possible. My hand hovers close. On va me retrouver à attaquer tes villes. C'est faux par contre. J'ai pas envie de vous taper les humains là. Hein. Vous savez que j'ai un objectif après, c'est la Norska quand même. Hein. C'est mignon ici, mais. Je vais me retrouver avec. Bon, ma sécurité, tu vas ici et tu te mets en embuscade. On verra bien. On verra bien. Yo, werewolf. Bah, pour l'instant, ça se passe bien, ouais, mais... Ah, c'est rien qu'un chiffre. Mais c'est un chiffre qui peut porter l'œil. Alors, la Norska, ok. Donc, en fait, ces troupes, techniquement... Oh, arrêtez de vous poursuivre ici, là. Non. Je vais essayer de faire la paix avec les autres. Je vais essayer de former une alliance militaire, si possible, avec l'Empire. Un traité de paix. Je savais même pas que j'étais en guerre contre toi. Sans en vrai, pourquoi pas. Je m'en fous d'eux. Absolutely not. Comment tu fais pour être 6 déjà? Bon, après,
Techniquement, c'est pareil que tout à l'heure, mais... Alors, je suis pas prêt d'avoir... Ouais, non, putain, le truc est terminé, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'a qu'une armée. Bon, ici, ils ont réussi à capturer. Ils se sont fait mal, mais ouais, Albion, il va falloir que je reprenne. Hein. En fait, il faudrait que je sois en paix contre lui. Greetings on behalf of the Empire. Ça serait bien. Friends of the Empire, come. Ah ouais, t'aimes pas cette guerre. Moi non plus, je l'aime pas en vrai. Hein. Moi non plus, hein. Je t'assure. Hein. J'en veux pas de cette guerre, moi, à la base. Bon, bah, du coup, on y va. Hein. Voilà, j'enlève le petit seigneur là. Est-ce qu'on peut dire que c'était pas ta guerre? Aïe 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 aïe. Il y a la Bretonie en guerre contre eux. Ah bon? Contre qui là? Attends, tu me fais peur là. Qui est contre quoi quoi? Et quoi 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 quoi? Où? Merde non, c'est pas ça. Bon là par contre, ce qui est bien, c'est que... On sait qu'on peut faire très mal au spell là. On peut parier, on n'a pas trop de magie, on peut tenter le truc. Et on n'est pas récompensé. C'est comme ça. Ok. Ça peut faire mal, hein. Ce qu'il va falloir, ouais, c'est spammer le sort, mais bon. Ah, il prend tellement cher au départ, il prend tellement cher. Ouais, va falloir provoquer la peur, hein. Ça peut faire peur un peu quand même là. Hein. J'ai pas été trop gourmand là, je sais pas. Il va falloir que j'attende qu'ils s'accumulent bien, que je les détruise et qu'après ils abandonnent quoi. Je sais que mes Croxigores vont faire mal, ça y a pas de souci. Après, faut pas se fier trop à la masse, hein. Pas oublier que, en vrai. Ok, il y a déjà de la retraite.
Voilà. Ça, on sait déjà que c'est mort. Voilà, je contrôle plus rien. Allez, cassez-vous. Mais en même temps, il passe inaperçu là! Tout petit! Un petit bonhomme! Mais qui tabasse par contre! Salut Wiz! Avez-vous quelques minutes pour écouter la grande aventure de notre seigneur et sauveur Sotek? Alors, comment tu veux nous faire écouter ça du coup? Oui, un petit peu. Il a un peu la voix, la gorge ouais, un peu prise. Hein. C'est vrai que ça fait comme ça là, mais en mode un peu plus dégueulasse quoi.
J'avoue que j'hésite à débloquer ça parce que ça augmenterait un peu les revenus. Ça augmenterait les défenses. Venez, on en débloque un comme ça là pour les défenses. Pour des défenses pas chères. Des défenses pas chères. C'est ça hein, normalement. Normalement c'est ici. Surtout que j'en aurais peut-être bien besoin là. Là tout de suite, si j'investissais dedans, peut-être que ça serait intéressant. Ok. Tu es capable de mettre ce petit truc là, toi? Oui. Saurien de l'effroi, moins 10%. Oh, ça se pion. Moins 10% lui, moins 10% lui. Enfin. Allez-y, les gars, pompez l'op, hein. What? C'est rare que j'ai tout ça. Ça fait un petit moins 20% déjà, c'est cool. Sur les sauriens. On a tout mis ici. Écoutez, on va commencer à taper là-dedans pour la frénésie pour les croxigores. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir économiser ce point vu qu'on a battu Gotrek. Greetings on behalf of the Empire. Donc il a recapturé là-bas visiblement avec son armée. Il est, je sais pas, je sais absolument pas ce qu'il fout, mais. Donc là, si je clique là, du coup, j'ai une meilleure défense pendant combien? Pendant 5 tours. Ça vaut 150. Oh. Ah ouais. Be at peace, for that is all I ever want. Ça va être dur de négocier l'alliance militaire. Bon, après, on a quand même une défense, donc on peut pas se faire déclarer la guerre. Qui n'a pas pris cher dans cette armée? Ouais, ça va, en vrai, tu t'en sors bien. On va te faire voyager. Afin de savoir si je dois me mettre en temple ou en... eh ben, ça se trouve, je vais pouvoir y aller. Vous croyez qu'au prochain tour, d'ici, j'ai des... Bon, déjà, j'ai la portée pour te défoncer, toi. Ah si, je suis à fond. Quoi? Je comprends pas. Tout est débloqué dans mes points de... En bas, hein. Tout, hein. Tout bien. Ah, si, si. Il a. Ah, reconstitution, non. Mais les points, ils sont déjà débloqués. Eh ben, écoutez... Les gars, faites-vous plaisir. C'est moi qui vous l'offre, ce petit bonhomme. Allez. Qui c'est qui va prendre cher? C'est lui. On arrive. Le pauvre. Et là, il est tout seul. En empire! En empire, il était grand, il était majestueux! Et il fallait que. C'est sa cam importable, il nous attaque! Pour. Moi! Ah, on a perdu la trace de notre cher ami! De temps en temps, vous pouvez voir un peu de panneaux stop se soulever. Parce qu'il y a de tout. Hein. Il y a bien sûr des massues. Et pour moi, ça, c'est un panneau stop version Homme Lézard, ça. Hein. Elle est quelque part par là. Hein.
Oui, il est un peu dans la mêlée. Et après, si on passe en x3... Qu'a des plumes. Et le regagnant est Sorus numéro 5. C'est lui qui a tué le seigneur. Il aura le droit à un sandwich. Alors je peux pas le spammer, mais peut-être que lui est capable de le mettre. Non. Dommage. Alors l'idée est que je me mets là et que je crois qu'au prochain tour on est capable d'attaquer ça. Sauf s'il veut faire la paix. Non. C'est dommage. J'aimerais bien aller débloquer l'armée là pour que Albion puisse se défendre. Parce que là avec l'armée peut-être qu'il peut reprendre, mais je suis obligé de retourner sur Albion à un moment. Hein. Approach and make your offer, but I make no promises to my... Of course. On va faire la paix avec eux, j'espère que ça déplaît pas trop à l'Empire. Non, il s'en fout. Be at peace. Donc pour l'instant, tout le monde s'éclate, c'est bien. La petite comète. Non, j'ai plutôt envie d'aller débloquer ça. Visiblement, j'ai pas les points. Ah, attendez. Au prochain tour, je vais taxer. C'est pas du tout le même départ quand même que l'autre, hein, que l'autre fois. C'est fou comme c'est hyper aléatoire dans cette zone. Donc il y a deux armées là. Impossible. I will listen, but my time is short. Ah, ça s'améliore. Il aime même pas, il aime pas que je fasse des traités avec toi. Pourquoi tu l'aimes bien toi? Je comprends pas. By the comet, be at peace for that. Donc la Norska a réussi à capturer là-bas. Lui, pour l'instant, il se concentre avec ses forces sur la gauche, là. Ici. Ouais, non, là, c'est pas prenable. Hein. 16 avec ça à l'intérieur, c'est pas prenable. On peut tenter une embuscade. Oh.
Sur un malentendu, ça passe. J'aurais pu faire ça. Non, il faut 6. Ça va les gars sur le chat là? Ça va bien? J'ai l'impression que ça s'est un peu endormi. Parfait. À partir du moment où vous faites la commande, c'est sûr, vous êtes réveillé. Ben ça va. J'attends de voir une possibilité d'attaquer le petit château là sur la droite parce que je le trouve assez mignon. Ah ouais. Peut-être que nous y arriverons. Peut-être pas. Give me a break. Oli. Ok, il y a toujours cette armée là. I think not. À votre avis, il accepte la bataille, lui? Greetings on behalf of the Empire. La paix continue, hein. ça augmente. À mon avis, elle acceptera pas la bataille. Ça me paraîtrait assez bizarre d'accepter ça. On va ramener les troupes ici. Friends of the Empire. Toujours on essaye. L'Empire s'étend pas mal, hein, par contre, ça c'est cool. Hein. Bon là c'est pas très cool. On va peut-être essayer d'attendre les 500 là pour créer une armée, hein, ça serait cool. Détruire Sylvanie, donc les vampires, les orques, le clan Mulder, la Norska. Le chaos évidemment. Ça c'est plutôt bon à savoir, parce que s'il est là, il est peut-être pas là-haut. Et négocier, ça c'est bien. Cette armée! Wow! Happy Goldé, hein! Oh, puis putain de. Après, on a des copains quand même, hein! Là, va falloir courir après avec nos Croxigores sur les tireurs, là, à la con, hein!
Pour 36 de vitesse, j'en ai 46. Avec Nakai aussi, il a quelques trucs en plus. Je pense rien oublier. Ma seule crainte là-dedans, c'est que si on fait pas assez mal. Si on fait pas assez mal, enfin si on prend trop cher, c'est l'autre qui va peut-être vouloir nous attaquer. Maintenant on a des renforts quand même, respectez-nous un peu. Hein. En plus il y a de la forêt et tout, enfin bon, quel déplaisir total quoi. Par contre là ouais, faut vraiment que je prenne mes Croxigores et que je cours après tous les elfes sylvains possibles. Cette armée de merde qu'il y a là. La prochaine fois, s'il y a un autre try, clairement, je négocie une alliance défensive avec elle. Très tôt, simplement pour être sûr qu'elle m'attaque pas, elle. Ah mais par contre, faut qu'on y aille, hein. Je vais pas faire mon relou, mais faut qu'on y aille. Hein. En plus, elle m'avait demandé de rejoindre la guerre à un moment. Ah là là. J'ai eu une mauvaise lecture à un moment précis et c'est dommage. Normalement, avec ce qu'on a, c'est quand même gagnable. Hein. Le seul problème avec lui, c'est que lui, il attend pas ce con. Vous voyez là, il se fait déjà tirer dessus et il va se faire défoncer si on se dépêche pas. Tu sais que tu vas te faire défoncer. Non mais avec lui, t'as pas le temps. Hein. T'as pas le temps de te mettre en place ou quoi que ce soit. Hein. Qu'est-ce que tu fais en fait? Je comprends pas. Second, for you, Doctor.
time. Oh, 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 c'était beau ça. C'est bien, fuis, fuis, fuis. Et les murs, ça doit mourir. Ça, ça doit mourir. Ça, ça doit mourir. Ah mais ça, je m'en fous. Par contre, là, faut rouler dessus, hein. Bon, plus de peur. Autre chose. Ça me va. On n'a pas beaucoup de vitesse, donc il faut absolument essayer d'en tuer. Allez, venez là, là. On a de la chance. On a de la chance, vous avez de la chance. Ok. Ça va en vrai. On a su réduire les pertes, si je puis dire. Si je puis dire. Donc là, peut-être qu'on peut négocier la paix avec elle. On peut voir. Ah ouais, là, le petit passage, là. Le petit souffle dans les archers, là. Je dois avouer qu'il était pas mal sexy, hein. Consider yourself lucky that we didn't send you to parley with the dryads. Ah, bizarrement, on peut faire la paix. Moi, je pense que c'est intéressant de faire de la paix avec elle. Non ? On est d'accord, hein. Parce que son truc, on n'est pas prêt de le prendre, hein. Donc un petit traité de paix. Pourquoi non ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui ferait que je refuse ? Je peux détruire une bonne fois pour toute son armée, mais c'est pas mon intérêt. Attendez, je veux juste voir sa force, mais moi je pense que si. Hein. I think not. Je fais la paix. Your coming is ill. Elle me déclarera, je ne puisse jamais de toute façon la guerre après. No. Ah, tu veux pas ? Not since attendez. The coming of Morga has Athel Lauren... Tu veux pas ? C'est que je vais me cacher. Je vais gagner en puissance. On va se reparler juste après, hein. Qu'est-ce que je voudrais augmenter? Ah, c'est étonnant, elle veut pas. Je pensais vraiment qu'elle allait accepter là.
Ça, je veux. Ah. Juste après ça. Hein. Ça, ça peut être pas mal. Mais je crois que j'ai très important là-bas. Donc on va peut-être pas le faire. On va se faire assiéger ça à tout moment. Normalement, ça devrait passer. Alors, du coup, Griffus. Quel message? Rapport au fait que tu disais que si tu devais recommencer, tu viserais à faire une alliance défensive avec Direct. Et je te rappelais que tu avais accepté malencontreusement une alliance défensive avec elle qu'elle a rompue. Ah! Mais connard! Je comprends pas. Pourquoi tu déclares la guerre ici? Mec! Mais putain, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Ce jeu, il est pas possible des fois. Mais ouais, mais il tourne. Enfin, il devrait pas tourner comme ça. Oh, putain. Mais please, mais. Oh là là. Est-ce qu'à un moment, c'était pas possible de prévoir ça quand ils ont codé Nakai? Que le vassal? Que ce putain de vassal? Il allait se faire déclarer la guerre de nulle part et nous, ça allait nous handicaper? C'était pas possible de le prévoir, ça? Greetings. All you survey are loyal to me, so I advise caution with your next words. C'est pas perdu, mais... The select... Non, mais... Oh, non, non. Mais comment je peux faire en sorte qu'il... Que mon vassal, il ait des alliances? Est-ce que c'est un but? Est-ce que derrière, ils le veulent, ça? Que tout et n'importe qui déclare la guerre à mon vassal, qui est putain de soumis à moi, qui, moi, du coup, me démerde pour avoir des alliances, pour avoir des trucs qui se font niquer, comme ça, d'un coup, par le fait que, bah, lui, il est en mode totalement pas sûr, comme ça. Allez-y, frappez-moi, si vous voulez. Allez-y. Allez-y, je suis le puncher ball. Ah, vous pouvez, hein, moi, de toute façon, à la fistinière, hein, je suis le premier à rentrer, hein. Je suis le premier à rentrer dans la salle. Aïe, 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 aïe. Oh. Là, je fais toutes les négociations. J'augmente à 90% de chance, normalement, que je plaise à tout le monde. Et ils arrivent à me mettre un coup comme ça. Quel plaisir. Tic, tic, tic. Ah. Never. Salut. Welcome to the halls of Athel Lauren. I will see it down. Moi, dans ma tête, c'est à quel moment j'ai la paix, en fait. À quel moment? En fait, faut que toutes les étoiles s'alignent
pour qu'il n'y ait pas une virgule à un moment qui foute la merde totale. Là, je me retrouve en guerre contre eux. Mais je suis censé être votre copain, putain de bordel de cul. En plus, le pire, c'est que c'est horrible, c'est que c'est pas à moi qu'on déclare la guerre, c'est à mon vassal qui fait que moi je rentre en guerre et tous mes alliés, instantanément, même si j'en avais 10, est annulé. On devrait pas avoir le droit de négocier avec lui. Il devrait pas exister dans le tableau périodique des alliances. Il devrait pas exister. Il devrait pas exister. Moi, vous voulez parler à lui, vous parlez à moi. Pas à lui. Lui, il est juste là pour... En plus, ça... Personne n'a essayé dans le studio? En mode... Ah putain, le vassal, il se fait déclarer la guerre par lui, du coup, t'as été obligé d'entrer. Est-ce que c'est normal? Moi, ça me paraît à 0% normal. Non! Non, 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 non. On parle avec moi. Mes temples, c'est des temples. C'est pas une faction, c'est des temples. Ils font pas d'armée, sauf quand je leur demande avec un rituel. C'est des bouses que je pose par terre à chaque fois que j'attaque le truc. Je chie devant sur la porte. Ça fait un temple. Point. Je vais peut-être m'éloigner un peu pour faire ça. Attendez. Genre, je vais me mettre là, comme ça, normalement, il est pas capable de m'attaquer. Lui, je viens de faire un pack de non-agression, je pense pas qu'il m'attaque. Allez, c'est fin de tout. Bon, en tous les cas, sur YouTube, on s'arrête là. Bah, j'espère que sur le temps, on va me refaire la paix. Parce que moi, je vais pas attaquer clairement pas l'Empire. Peut-être que j'essaierai de m'étendre d'autre part, je sais pas. Je sais pas comment je vais amener la chose. I don't know. Du coup, des gros bisous et au prochain épisode. Ciao, ciao.